Bonjour à tous. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va restaurer cette table en bois que j'ai depuis, je crois, 97 ou 98. Avec une petite rainure ici. Dessous, avant, c'était couleur bois. Un angle que j'avais poncé pour faire un peu rond, comme s'il y avait de l'usure. Là, c'était tout bon. Voilà, après, j'ai des petits coins qui sont sympas abîmés là. Ah. Tu viens nous aider, Grisy? Tu viens m'aider? Oui. C'est Grisy, le petit de la peine de la maison. Ah, tu viens nous aider, Grisy? Tu viens m'aider à rénover un peu la petite table? Hein? Tu viens poncer? Oui. Il y a des petits coins, ils sont abîmés là. Je vais utiliser du 150. Voilà, j'ai les disques ronds. 320 aussi, c'est plus fin. Évitez les papiers de verre par contre. C'est selon le vernis que vous passez ou la lasure, ça risque de ressortir. Il y a risque de ressortir des rayures. Ah, papier à poncer, c'est beaucoup mieux. C'est ce que je vous conseille. À les endroits où c'est bien caillé, je vais insister. Là, ça commence à ressortir la couleur bois que j'avais mis en dessous. Je commence à sentir. Ici, pareil, je ne sais pas si on va bien voir. Là, ça fait comme une trace d'usure. Ici, on peut à peine l'apercevoir. Ouais. Là, ça fait un peu plus, dire un angle. Là, on revoit l'usure. Comme s'il y avait l'épi qui frottait dessus au fur et à mesure. Voilà, j'avais mis un petit peu ici. Là, on le voit beaucoup, beaucoup moins. Voilà, pour créer cette usure. Après, moi, j'ai pris une cale. Comme ça, avec du papier 80, qui a déjà servi. Et on y repense. Là, je vais voir peut-être que je le repeindre en noir. Voilà, il me restera encore ici. Et après le carreau, bon, je mettrai un bon coup de nettoyage. Après, je vais voir, je sais pas si je fais un petit damier dessus ou pas. Ça, je verrai par la suite. Et là, voilà, là j'avais commencé à poncer en mettant la cale à la verticale. Là, comme je suis arrivé à peu près comme ici, je me mets vraiment en oblique, en diagonale. Et là, on voit le noir qui part un peu, la peinture noire. Là, une fois qu'on a fini de poncer, on dépoussière, on cache. Là, j'ai caché le carreau au milieu. Voilà. Là, je cache le joint et le reste, le surplus de scotch, je vais le couper au cutter. Voilà. On va détacher.
Voilà, comme ça me fait un petit salon de pour la terrasse, petit salon de jardin. Et je vous souhaite une bonne soirée.